sous le soleil californien. Ah non, il n'y a pas de soleil. Et puis on n'est pas en Californie, on est à l'atelier de la vigne. Et aujourd'hui, à l'atelier de la vigne, eh bien, on va entamer un nouveau projet avec vous, le remontage d'un 3800 noir. Et on commence toujours par le début, c'est-à-dire la poutre centrale qu'on va équiper, entre guillemets, parce que c'est à partir de cette poutre centrale que le tout le soleil va se monter. Alors, première chose à faire, vous le savez, on va monter la colonne de direction avec donc les cuvettes supérieures et inférieures. Ensuite, on montera la fourche et dans un deuxième temps, on passera les câbles, enfin les fils et les gaines à l'intérieur de cette poutre pour que tout soit pratique pour la suite des opérations. Allez, c'est parti, première opération, les cuvettes. Alors, on a remonté, comme vous le voyez ici, les cuvettes inférieures et supérieures. Alors, on n'oublie pas de remettre cette cuvette aussi, hein, qui est la cuvette inférieure de fourche. Si vous voyez bien. Voilà. Vous n'hésitez pas aussi à bien graisser tout ça. Alors moi, je vous conseille cette graisse-là, qui est excellente pour faire ce genre de boulot. Et puis aussi, camoufler le petit ergot ici qui vous permettra ensuite de mettre la tôle écran du carburateur parce que eh bien elle va cogner à tout bout de champ dans la poutre lors du remontage et comme il y a déjà j'allais dire le POC d'origine sur la poutre, il est inutile de rajouter des rayures en plus. Alors bien graissé, et puis vous le savez parce que je vous l'ai répété plusieurs fois, quand on monte les roulements, il y a un côté rond et un côté plat, et le côté plat va toujours côté cadre, donc côté poutre centrale en fait. Donc ça c'est un truc à savoir, et puis après il n'y a plus qu'à faire le travail le plus dégueulasse, c'est-à-dire mettre, vous le voyez, la graisse dans les cuvettes. Quand vous avez terminé cet exercice, si je puis dire, votre fourche doit ne pas avoir de jeu et tourner, voyez, très librement d'un côté comme de l'autre sans point dur. Ça c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'au bout de quelques kilomètres, vous allez resserrer sans doute un petit peu cet écrou là, cet écrou de tête de fourche, parce que eh bien les pièces vont prendre leur place et donc il va y avoir un léger jeu. Vous le sentirez dans la fourche, un petit battement comme ça. Donc ne laissez pas en aucun cas la fourche dans cet état, resserrez-la. Comme ça, vous n'aurez aucune usure de vos cuvettes ou de vos roulements. Je vais y arriver. Voilà. Après, qu'est-ce qui reste à mettre en haut? Eh bien, il y a bien sûr le crochet qui vous permettra donc de mettre votre moteur, d'accrocher votre moteur. Et bien sûr, l'écrou de tête de fourche, le dernier, qui sera bien sûr aussi à serrer. On va faire ça. Et puis, on passe ensuite à l'équipement, donc en câble et gaine de la poutre centrale. Alors voilà, on a passé la gaine et les deux câbles. Alors pourquoi deux câbles? Vous le savez, parce que comme je peins les cadres à la peinture thermolaquée, eh bien il y a une grosse épaisseur, donc difficile de trouver masse. Sinon, il faut gratter. Quand on gratte, on arrive à la tôle. Quand on arrive à la tôle, elle va rouiller par la suite. Alors c'est quand même un peu bête. Donc du coup, eh bien moi, je mets deux fils de l'arrière à l'avant. Comme ça, je prends une masse sur le moteur et pas de problème. Alors pour ceux qui m'ont demandé comment je fais pour passer le fil, je m'embête. Voilà, mais avec un peu de patience et de dextérité, eh bien on y arrive et on a donc un bon résultat. Une fois que ça c'est fini, eh bien moi ce que je fais toujours, je monte là, vous savez, le petit boulon avec l'écrou prisonnier derrière qui permettra à la fin de tenir la tôle écran, parce qu'une fois que tout est monté après ici, eh ben on a très peu d'accès, donc j'y pense tout de suite, comme ça après je ne m'embête pas. Et bien sûr, dans un troisième temps, eh bien on va passer au montage de ce qui va ici, c'est-à-dire le raccord, la pièce raccord, le support pédalier qui sert à raccorder la poutre centrale avec tout l'arrière et bien sûr avec le hauban de selle. Allez, c'est parti. D'abord l'écrou et après on monte le support pédalier. Remontage du pédalier. Alors vous voyez, pas de point dur et pas trop de jeu.
Sinon, vous savez, il faut changer les bagues de pédale. Maintenant, un peu plus compliqué, on va passer au montage des deux longerons, ainsi que donc du cache pédalier d'un côté, et puis bien sûr du marchepied. Et avec ça, il faudra également installer le hauban qui soutient la selle. Les deux longerons sont posés. Alors, il n'y a pas eu de problème particulier. Vous faites juste attention. Les entretoises qui se situent derrière les longerons, les boulons de longerons, sont plus étroites à l'arrière qu'à l'avant. Donc, si vous les inversez ou que vous les intervertissez, et bien forcément vos deux longerons ne seront pas perpendiculaires, et puis surtout l'écartement par rapport à la poutre et au banc de selle, et bien ne sera pas bon, et ça c'est pas terrible pour la suite. Donc vérifiez bien ça, ne les serrez pas tout de suite, hein, parce que vous savez qu'il faut monter l'ensemble pour pouvoir les bloquer définitivement. C'est mieux qu'il y ait un petit peu de jeu, ça évite de tordre les pièces. Donc ce qu'on peut faire à présent, c'est dans un premier temps vérifier si le pédalier tourne bien sans toucher quoi que ce soit. Vous voyez, il passe à ras des boulons, donc là il n'y a pas de problème. Alors il arrive que les pédaliers touchent pour plein de raisons, parce qu'ils sont par exemple tordus, parce que vous avez mal remonté les entretoises, c'est des engins qui ont plusieurs années, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits problèmes comme ça. Alors bien sûr, il faut résoudre le problème si ça touche avant d'aller plus loin. Du moment qu'on en est là, eh bien on va pouvoir mettre, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, le tendeur de câbles de frein arrière, puisque à présent il y a le longeron, et il faut bien sûr, vous savez, la pièce qui est derrière, qui est une pièce un petit peu en U. Voilà, je parle de cette pièce. Cette pièce en fait se crochette sur l'entretoise du hauban de selle, hein, pour pouvoir ensuite être correctement en place pour mettre la petite tige qui permet d'avancer ou de reculer pour tendre ou pas le câble de frein arrière. Donc je vais poser ça tant que c'est fait, et puis je vais également en profiter pour commencer donc à monter eh bien tout l'arrière. Et ça, c'est toujours une partie de plaisir, parce que vous le savez, il faut souvent deux ou trois mains pour plus que deux en tout cas, ça c'est sûr, pour essayer de monter tout ça correctement. Alors on va monter cette patte d'abord, et puis on va passer au montage du reste du cadre arrière. J'ai mis le petit tendeur. Je vous ai fait deux photos, un gros plan par dessous, comme ça si vous n'avez pas noté comment c'était mis lors du démontage, et bien après vous n'avez plus aucune excuse pour savoir comment ça se monte, et surtout comment ça fonctionne. Hein. On a déjà les pièces. Alors on a bien sûr la selle. Alors en l'occurrence, celle-ci est une selle qui est toute montée. Alors vous remarquez que quand vous peignez à l'époxy, quand vous nous les amenez, il faut mieux les amener avec les ressorts montés. Pas la peine de les enlever. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est beaucoup plus facile pour les décaper, parce qu'ils sont tendus, donc on voit à travers les spires. Et de la même manière, quand on les peint, eh bien les spires étant tirées, eh bien ça nous permet de peindre à l'intérieur de ces spires, et donc il n'y a pas de partie sans peinture. Le porte-bagages arrière, et puis bien sûr les deux haubans, le hauban donc voilà gauche et le hauban droit. À présent, qu'est-ce qui manque, Emma? Il manque toute la boulonnerie, et là aussi on va aller chercher. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors c'est très simple, il nous faut d'abord une longue entretoise qui va aller ici, voilà, entre les deux plots du porte-bagages. C'est le premier point. Ensuite, vous allez avoir une entretoise un petit peu plus petite et courte qui va rentrer ici, puis rentrer à l'intérieur de l'entretoise de pédalier. Et pour faire, j'allais dire, l'écartement, vous allez avoir une autre entretoise qui va se mettre, bien sûr, sur cette entretoise. Oui, je sais, c'est un empilement d'entretoises, mais il faut le savoir. Alors le mieux, ce que je vous conseille, moi, voilà. Vous enfilez les petites entretoises sur les moyennes entretoises, comme ça, vous
vous avez une pièce complète à enfiler ici. Et vous allez, comme vous le pouvez, monter à présent donc le porte-bagages dans le hauban, et vous allez introduire cette pièce là pour faire une première fixation. C'est parti. Voilà qui est fait. Alors moi, vous faites comme vous voulez, mais ce que je fais, moi, je mets toujours un petit peu de WD-40 pour que les pièces s'emboîtent facilement, sans forcer, sans taper. Et puis le WD-40, un petit peu sur la carrosserie, ça permet aussi d'éviter les rayures. Ça coulisse un peu mieux. Voilà, bon. Ce que je fais également, vous le voyez, c'est que je mets le hauban. Alors, c'est un peu flou, ça fait pas bien le point, parce que en fait, ça vise la sableuse et pas le... Voilà. Et pas le hauban de porte-bagages. Je mets le hauban de porte-bagages pour qu'il y ait une forme de Solex, de cadre de Solex. Voilà. Et puis ça permet aussi d'avoir là, eh bien, une main qui vous permet de tenir le porte-bagages en position. Après, eh bien, vient le truc un petit peu plus compliqué, puisqu'il va falloir passer donc la selle ici. Voilà, vous voyez, au moins ça tient un petit peu, la selle. La mettre à la position que vous voulez en fonction de votre taille. Donc moi, je les mets toujours en position moyenne. Hein. Et puis, bien sûr, mettre par-dessus, eh bien, le hauban de selle. Si vous travaillez bien, vous allez arriver à ça. Toutes les parties donc, du cadre arrière sont mises, même les longerons de garde-boue arrière. Comme ça, au moins, vous avez, j'allais dire, le Solex... quasiment complet. À ce stade-là, ne serrez aucun boulon. On ne serrera les boulons que lorsqu'on aura mis le garde-boue arrière. Là aussi, ça nous permet d'avoir un petit peu de jeu, parce que vous savez qu'il y a deux trous dans le garde-boue où il faut fixer le garde-boue au porte-bagages, et c'est plus facile quand il y a un peu de jeu. Donc ne serrez rien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper du garde-boue arrière. Alors le garde-boue arrière, la première chose à faire, c'est de lui passer le double fil électrique qui permet de rejoindre l'avant. Vous savez, la masse et le positif. Et puis ensuite, on va installer donc le garde-boue arrière. Et puis, une fois qu'il sera installé et pré-boulonné, eh bien, bien sûr, on va serrer tous les boulons du cadre. Le fil est passé, pas de problème. N'oubliez pas ici de mettre un renfort, hein. À la sortie donc de la goulotte, parce que ça passe à un endroit où lorsque c'est fixé, eh bien il y a des risques, j'allais dire, ça bouge et ça peut couper le fil. Donc n'hésitez pas à mettre un petit renfort. Les amis, le garde-boue est monté avec donc le support de feu et le fil. Alors à présent que le garde-boue est monté, eh bien on va pouvoir serrer l'intégralité des boulons du cadre. Alors pour les boulons du cadre, moi je mets toujours un petit peu de Loctite, donc filet moyen, pour bien tenir les boulons en place, que ça ne se dévisse pas en roulant. Et puis après, eh bien, on va faire le raccordement entre les fils donc, de l'avant du cadre avec les fils de l'arrière du cadre. Eh bien, on a mis la boîte à outils, vous voyez, avec les outils à l'intérieur et les mousses. On a nettoyé la selle, parce que ces selles gris clair comme ça, se trouvent plus. Alors elles sont, on peut les trouver à présent en noir ou en gris clair clair, mais ce gris un peu souris comme ça là, ça se trouve plus. Alors même s'il y a un support qui est un peu cassé, j'ai préféré essayer de la nettoyer pour la ravoir et pouvoir l'installer. Ça sera en accord avec les poignées. Et puis bien sûr, j'ai fait deux nouveaux matelas de selle pour que le monsieur soit bien confortable au niveau donc des ressorts. Et ben, je vais monter ça à présent, en la chauffant un peu, hein, pour qu'elle prenne un peu la forme de ce cadre. Et puis en dernier lieu, avant la pause de midi, où j'ai une fin de chacal sous le soleil californien, et bien je vais monter le petit feu à l'arrière là, et puis top! Tout c'est beau! Voilà le feu arrière qui est fixé. Alors je l'ai récupéré aussi, à bien nettoyer, et puis avec un petit produit spécial pour le rendre un peu brillant. La selle gris souris qui a pu reprendre sa place.
Voilà, bon, la partie arrière est quasiment terminée. Je vais attaquer maintenant l'avant, la fourche, avec la pose du frein, du pontet, du garde-boue avant, etc. Et puis on terminera bien sûr par le guidon et les poignées, manettes de frein, levier de frein, etc., etc. Voilà, en dernier lieu, bien sûr, on le pendra et on installera les roues. Ben, je trouve qu'on a pas mal avancé, donc en cette matinée, eh ben, je vous propose d'aller prendre une petite pause déjeuner. Go! Voilà qui est fait. On a mis donc la glissière et puis bien sûr les deux ressorts. Alors pour faire ça, ben, c'est vrai que le petit ressort de la boutique de l'atelier de la vigne est bien utile. Alors le guidon, c'est un guidon comme vous voyez qui a été entièrement recromé et qu'on va donc repositionner. Alors guidon installé, et ben ça y est. On n'a plus maintenant qu'à le mettre sur le lève-moto et terminer le reste. Voilà où on en est. On a monté les poignées, les leviers, les câbles et les gaines à l'avant. On a récupéré les poignées parce qu'elles étaient en bon état. On a microbillé et poli les leviers. Comme ça aussi, c'est fait plus neuf. Et vous voyez, on a installé les différents câbles qu'on n'a pas encore bien sûr connectés. On a également mis le marchepied que j'avais oublié en fait de mettre. Donc le voici, il est neuf parce que l'ancien était malheureusement cassé. Et puis on a monté, je ne sais pas si, oui, voilà, vous le voyez, le garde-boue avant avec ses deux tringles. Et bien sûr la bavette neuve aussi puisque la bavette d'origine était également toute déchirée. Et là, eh bien, j'ai monté le pneu avant. Alors avec évidemment la roue est entièrement neuve, il n'y a que le moyeu qui a été reconditionné. Donc jantes, rayons sont neufs. Le pneu, la chambre et le fond de jante également. Alors vous savez que vous pouvez trouver des rayons adaptés à la taille exacte de vos Solex à la boutique de l'atelier de la vigne. En attendant, on va remonter ces trous à l'avant et puis on va bien sûr attaquer le montage de la roue arrière. Et hop, la roue arrière. Nickel. Bon, il va maintenant falloir mettre la chaîne qui est en train de se nettoyer. Et puis pendant ce temps, ben, je vais mettre là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. La manette de décompression. Alors voilà, on a mis la manette de décompression. Alors vous le savez, cette manette doit être montée de telle façon à ce qu'elle revienne automatiquement. Ce qui permet en fait, lorsque vous roulez, qu'elle tende la tringle de décompression et donc la tringle de décompression ne peut pas sauter et puis ça fait pas de ding 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 non plus. Voilà le petit truc, hein. Ben voilà qui est fait. On va regarder pendant que la chaîne se nettoie si on peut récupérer la sonnette. Je vais mettre le jonc de poutre et puis naturellement les pédales que j'ai également récupérées. Je vais voir si elles sont sauvables. J'ai mis les pédales, vous voyez, elles sont pas mal. On a bien pu les récupérer. Donc là aussi, pas de souci. La chaîne est toujours en train de se nettoyer. Alors je vais en profiter pour mettre le jonc. Et voilà les amis, c'est terminé. J'ai un petit peu réglé le frein avant, mais je fignolerai ça après. J'ai aussi un petit peu réglé le frein arrière, mais je le fignolerai aussi après. Vous voyez que j'ai pu installer la chaîne, donc reprise, hein, avec la roue libre, donc d'origine. Nettoyer, graisser, on va voir si ça fait pas trop de bruit, si ça tient. Mis le jonc, mis un petit scotch là pour que ça colle bien en haut. Une sonnette, alors la sonnette d'origine, impossible de la faire marcher parce que les crans sont un peu usés, donc en fait elle marche une fois sur deux. Donc j'ai mis une Solex qu'on peut trouver sobre à la boutique de l'atelier de la vigne, juste siglée Solex. Et puis bien sûr, il y a un truc qui manque, c'est la pompe qu'on va mettre là-bas. Le support de plaque, les pédales, voilà. Bien, écoutez, la partie cycle de cet engin est maintenant terminée. Ben, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, mais pas avec vous. Malheureusement, y aller tout seul, de 5 petits kilomètres, juste pour voir si ça freine, si ça roule bien, si ça coince pas. Et puis, bien sûr, on s'attaquera au moteur pour terminer ce Solex. Voilà pour la partie cycle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez jeter un petit coup d'œil sur la boutique de l'atelier si vous avez besoin de pièces pour réparer vos cyclos, pour restaurer ou réparer, remettre en route, hein. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. Et puis, n'oubliez pas qu'on a un petit Insta aussi. C'est dans la description. L'adresse est dans la description et vous pouvez suivre au jour le jour un petit peu ce qu'on fait
à l'atelier quand on a des nouvelles pièces, de nouvelles réalisations, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont fans de l'actualité, et sur Insta, vous pouvez retrouver l'actu de l'atelier de la vigne. Allez, à bientôt !